Bonjour à tous, bienvenue pour la vidéo de Deus Ex Mankind Divided. Alors, ce n'est pas une démo qui se joue, c'est juste, une expérience VR avec différents décors utilisés dans le jeu. Et à peu près tout. Il n'y a rien à faire. Juste parcourir l'ensemble des lieux proposés. Et on va attaquer direct. Voici une première map. J'aurais fallu un peu plus d'anti-aliasing, j'ai pourtant tout mis à donf. On va continuer. Ça c'est un des décors que je peux faire, hein. C'est le gros bordel quand même, hein. La gratte elle est légèrement taguée, c'est un petit peu le why, hein. C'est là où Adam Jensen y vient. Pour se faire poser les différentes augmentations, il me semble. À moins que ce soit c'est marrant, on les voit d'un côté mais pas de l'autre. On va continuer notre chemin. Ça me fait rappeler chez ma grand-mère quand il y avait un morceau de saucisse pendu au plafond. C'est pas trop pareil, mais... morceau de charcuterie en train de sécher. Continuer un petit voyage. Là on est dans l'appartement d'Adam Jensen. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il pense au bois, hein, mais c'est quand même bien fait, hein. On est dans l'appartement de Jensen. Despite our dedication to the peaceful advancement of our cause, despite the fact that some of our own were killed in the attack at Rosica Station, but fear has on se déplace avec le pad, le move, et on peut regarder aussi avec avec le vibe bien sûr, et aussi avec le stick droit. Ça m'évite de faire un demi-tour sur moi-même. Là, je crois que c'est un coup de Saint-Péter. Là,
Elle est connue cette statue. Hein. C'est pas tout à fait la même. Ça, ça existe déjà les tables comme ça. Vous allez voir, je vais essayer de passer au travers. Et ça fait un écran noir. Joli quand même. On va continuer notre petit voyage. Alors, pour là on quitte et là on continue. C'est tout simple. Ah. Endroit que l'on reconnaît qui avait été utilisé dans la... dans une des vidéos de présentation du jeu et dans de nombreuses photos. Se croire un peu dans Half-Life, c'est même It's not here. Ouais, sympa. On va sonner ou quoi? Putain, mais pourquoi ils font pas un jeu VR? Je t'ai... Alors, mais le quai de... Clank Arkansas. Vincent Pandog. Et là c'est la dernière, le dernier niveau. Si je me lève, je suis un peu plus petit que là. On va faire 1m85, un truc comme ça. Tout à l'heure il était plus petit que moi et là maintenant. Puis il était plus grand que moi, en même temps il est plus petit. J'ai même plus une grenade. Ah, Johnson, t'es petit là, qu'est-ce qui t'arrive? Je vais me remettre assis pour que je puisse le mieux le voir. Franchement, de le voir en VR, on se rend mieux compte de dimensions face à un écran. Drone de surveillance. Et voilà pour cette expérience. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine.